Well, where should I start? At times, smart technology doesn't necessarily make us worry less. Or walk less. Or change the season. Change to Channel 7. Or settle our conflicts. Or solve loneliness. Or replace our loved ones. Smart technology doesn't change you. Only you can make a difference in your life. Xiaomi Smart Life. Xiaomi. I want to congratulate Lei Jun and the entire Xiaomi team today. Xiaomi is one of our most important partners, and we have a long history of collaboration, from the very first device to today's launch of the Mi 10 series. These incredible devices will help drive the continued success of 5G in China and around the world, and they will be powered by the Snapdragon 865 mobile platform. Engineers from both companies have been working for months in the Xiaomi Qualcomm Joint 5G Lab to create the best possible experience for Xiaomi users. Snapdragon 865 brings the best of 5G and AI together. Our leading fifth generation AI engine is 2 times more powerful than our previous platform and delivers breakthrough features like on-device translation. And the platform powers the highest quality gigapixel speed camera and desktop level gaming features for the 5G era, with leading peak and sustained performance with days of use leadership in the industry. All of that with multi-gigabit 5G connectivity, 3 times faster than the competition. It is the only truly global solution with dynamic spectrum sharing for superior 5G coverage and power efficiency. Nothing else comes close. Best wishes to the team at Xiaomi, Mi fans, and everyone in China. And we stand with you, our employees, along with our other friends in China during this challenging time. Stay strong. Exploration is more than just discovering. It's about expanding. Expanding out to explore new possibilities. Each step providing you with a wider horizon. In 2019, Xiaomi launched a satellite equipped with its latest imaging technology. Expanding our imagination for how we view this world. Captured with our 108 megapixel camera, how clear can it be? Every Mi 10 user will have the same answer. Our world has never felt so real. In 2020, Xiaomi technology will serve over 100 million users worldwide. We aim to reshape everyone's perception of technology. Let your imagination come alive. Thank you.
Well, where should I start? At times, smart technology doesn't necessarily make us worry less. Or walk less. Or change the season. Change to Channel 7. Or settle our conflicts. Bonjour tout le monde. J'aimerais souhaiter la bienvenue chaleureuse à tous nos fans, partenaires et nos amis de la presse pour nous joindre dans le live stream aujourd'hui. Je m'appelle Shou, je suis le président de Xiaomi de l'international. Aujourd'hui, on va vous introduire des produits fantastiques. Mais avant ça, j'aimerais faire quelques commentaires sur les circonstances récentes. Mesdames et messieurs, ce sont des époques extraordinaires. Xiaomi a ses amis et de la famille dans le monde. Nos pensées et prières sont avec tout le monde qui est en train de faire face à cette pandémie aujourd'hui. Et dans cette époque spéciale, j'aimerais dire qu'il y a de la force dans la solidarité. Nous sommes des vagues dans la même mer, les feuilles d'un même arbre et des fleurs dans le même jardin. Ça, c'est la citation de Sénèque qu'on envoie avec notre premier lot de masques vers l'Italie. On était le tout premier à faire une réponse aux besoins en augmentation en Italie avec un envoi d'une très grande cargaison de masques le 5 mars. On a continué cet effort, envoyant des cargaisons vers la France et l'Espagne dans les dernières semaines. En Espagne, les masques ont été reçus le 18 mars est distribué vers des hôpitaux le même jour. En France, les masques ont été donnés à l'Institut Pasteur qui est en train de travailler pour une remède et d'organise des distributions de l'approvisionnement. Quand nos amis en ont besoin, il n'y a pas de temps à perdre. Nous sommes très contents que notre geste a inspiré les autres société à faire la donation. On espère que cet effort va continuer. Plus que les autres, ça nous rend heureux de voir à quel point nous sommes en train d'aider nos amis. Merci beaucoup pour les commentaires de gentillesse, mais on le considère notre responsabilité d'aider. On est en train de travailler très fort de donner plus de masques à plus de gens dans le monde dans le moindre délai, puisqu'ensemble, on peut surmonter cette difficulté. Mais on ne va pas. On ne va pas s'arrêter là. Aujourd'hui, Xiaomi s'engage de donner 1 million de masques en Europe dans le moindre délai possible. Beaucoup de nos approvisionnements est déjà prêt et dans la route, prêt pour la distribution. Puisque le virus ne veut pas nous vaincre, on ne va pas être vaincu. Sans nos fans, il n'y a pas Xiaomi. Nous avons agrandi grâce à vous. En effet, ça fait seulement 6 ans qu'on est entré sur la scène internationale. Et aujourd'hui, nous sommes déjà entrés dans plus de 90 marchés dans le monde, avec une part de marché top 5 pour le smartphone dans 45 de ces marchés. Le plus incroyable, c'est au troisième trimestre, les résultats financiers au niveau international représentaient presque la moitié des revenus de Xiaomi.
Pour les trois premiers trimestres 2019, nos revenus à l'international représentent quasiment 10 milliards de dollars. Nous devrions franchir ce cap lors de la publication de nos résultats financiers du quatrième trimestre. On a réalisé tout cela par la dédication à l'innovation pendant des années. Nous continuerons à nous concentrer sur l'innovation et nous avons déjà prévu d'investir 7 milliards de dollars sur la 5G et l'IoT au cours des 5 prochaines années. Comme certains d'entre vous le savent peut-être déjà, Xiaomi est très actif dans la recherche et le développement 5G depuis pas mal de temps maintenant. Et ça s'est concrétisé l'année dernière avec le Mi Mix 3 5G, le premier smartphone 5G disponible en Espagne, à Barcelone. Et aujourd'hui, je suis très très content de lancer trois nouveaux smartphones de 5G. Xiaomi est une société qui écoute. Une de mes choses préférées à me faire dans mon temps libre, c'est de jeter un coup d'œil sur les commentaires de nos fans dans le monde entier. Et dans tous les canaux de réseaux sociaux, mois dernier, le sujet numéro un était quand est-ce qu'annoncé le nouveau flagship de Xiaomi. Eh bien, vous nous avez demandé et nous vous avons écouté. Aujourd'hui, c'est donc officiellement le lancement de notre Cam Mi 10. Nous fêtons le 10e anniversaire de notre gamme de flagship et c'est de loin notre meilleur. Voyons à quoi il ressemble avec cette Cam Mi 10. Merci. Comme je vous ai mentionné, on ne va pas lancer seulement un, mais trois 5G aujourd'hui. Les deux premiers sont Mi 10 et Mi 10 Pro. Ils ont rencontré un succès retentissant depuis notre lancement en Chine en février et nous avons travaillé durement pour pouvoir le lancer à travers le monde dans le moindre délai. Comme vous savez peut-être, les performances vidéo de la Cam Mi 10 sont très impressionnantes, avec un enregistrement vidéo en 8K, une variété de fonctionnalités logicielles et une stabilisation sans égale. C'est un monstre en vidéo. Regardons cela en plus de détails. La première question qu'on demande sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi 8K? Pourquoi j'en aurais-je besoin? C'est simple. Ça, c'est une vidéo en FHD, la même vidéo en 4K, et après, l'ensemble dans 8K. Pour vous donner une idée, 8K, c'est incroyablement 16 fois plus grand que FHD. C'est simple. Nous n'avons jamais eu autant de détails. C'est même supérieur aux capacités d'enregistrement de certaines caméras professionnelles. Nous avons aussi couplé cette résolution révolutionnaire à de nombreuses fonctionnalités logicielles pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est important. Et c'est vous. Nous avons ajouté un mode portrait vidéo. Tout simplement, cela signifie de bokeh crémeux et un premier blanc net. C'est une sensation très cinématographique qui vous aide à quitter votre œil de spectateur et à travers la création de vidéos au portrait parfait, n'est-ce pas magnifique? Dans le même esprit, nous avons également ajouté le mode Color Focus. Comme son nom l'indique, cela permet de se concentrer sur les couleurs et tout le reste dans le ton gris. Je trouve que ça, c'est vraiment cool. Cela garantit que votre sujet apparaît avec de magnifiques couleurs. C'est l'une de mes fonctionnalités préférées. Vous pourrez obtenir de nombreux likes sur vos réseaux sociaux.
C'est vraiment cool, n'est-ce pas? Et voici pour vous les animateurs d'action. Nous savons à quel point cela est difficile de rester stable lors d'une scène mouvementée. Nous avons donc ajouté un mode shoot steady qui combine une stabilisation optique d'image et des optimisations logicielles. Cela vous assure de vidéo stable même dans des conditions difficiles. Les différences et les bénéfices du mode shoot steady sont très clairs. Ces deux vidéos ont été filmées à dos de cheval. Vous pouvez voir que celle de gauche est bien plus stable et même malgré le fait que ce soit filmé à cheval. Un dernier point sur la vidéo. L'une des choses les plus importantes lorsque vous filmez est de garder le contrôle sur le contenu. Et c'est pour cela que nous vous avons amélioré la possibilité de personnaliser les fonctionnalités vidéo avec le Deep Pro Mode. C'est quoi le Deep Pro Mode? En fait, ça vous donne presque le contrôle total sur l'expérience de tournage. Il y a tant de détails ici, je ne vais pas entrer aux détails. Mais on a déjà fait beaucoup de vidéos de courts-métrages sur ligne qui va vous enseigner un peu sur la fabrication de ce vidéo professionnel. Pour tout le monde qui aimerait faire le montage, la série MIDIS peut aussi sortir en mode log qui garde beaucoup d'informations jamais trouvées dans des fichiers de vidéos classiques. Pour moi-même, qui est un amateur, cela veut dire que tout le monde peut avoir plus d'informations de travailler avec. Utilisant ce mode pro, vous pouvez créer beaucoup d'effets cool, comme ici le flou de motion. En diminuant la vitesse d'obturation, vous pouvez créer des vidéos vraiment sympas. C'est comme le stop motion, mais avec une plus grande clarté. Il y a un côté très professionnel. Vous pouvez filmer comme un pro grâce à notre mode pro. Lumière, caméra, action. C'est le portable vidéo de leader dans l'ère de 5G. Nous aurions pu contacter un réalisateur professionnel pour vous montrer à quel point ce smartphone est incroyable, tout en dépensant beaucoup d'argent. Mais je pense que c'est plus important de voir comment ça se fonctionne entre les mains de nos fans. Donc, on a mis le MIDIS Pro entre les mains de l'un de nos créateurs Mi dans le Xiaomi Studio, Louis des États-Unis. On va jeter un coup d'œil sur sa création. Merci Louis, c'est incroyable, une vidéo incroyable après cette présentation. N'hésitez pas à consulter la version intégrale. Restez en ligne. Le MIDIS Pro vous permet de vous exprimer. Lors de son lancement, il était classé numéro 1 au classement vidéo DXO Mac. Et il est important de noter que presque toutes les fonctionnalités sont transmises du MIDIS Pro au MIDIS. Voilà une vidéo. C'est très magnifique. Et concernant la photographie, l'expérience photographique de la série MIDIS est tout simplement incroyable. Avec une mégapixel 108, une excellente stabilisation, une zoom hybride 110, fois, il est parfait pour les créateurs qui vivent un style de monomade. Alors ainsi, vous pouvez voir la différence. La MIDIS vous donne une téléobjectif qui vous donne une expérience magnifique de la photographie. Mais puis bien sûr,
108 mégapixels est un point très remarquable, mais ce n'est plus qu'un chiffre. Il vous donne plus de détails que jamais. Et encore une fois, le Mi 10 et Mi 10 Pro vous offrent ici. Ce n'est pas simplement une variante ultra haut de gamme. Laissez-moi vous montrer. Regardez cette photo prise au 12 Apostle en Australie. La composition varie fortement. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Il y a des ombres sombres et variées à flanc de falaise, des sables bruyantes, des nuages texturés et des vagues dynamiques. La série Mi 10 les capture tous parfaitement, sans surexposer ni sous-exposer. Et voici une photo des montagnes d'Aranaki. Personnellement, je n'y suis jamais allé, mais je le veux très bien quand voyager est plus facile. Vous pouvez voir une variation impressionnante dans les ombres, le contraste et un niveau de détail dans l'eau et les plantes. En arrière, nous pouvons voir encore des courbes individuelles et des dépôts de neige à la côté de montagne. C'est une photo vraiment, vraiment magnifique. Et parfois, vous avez besoin de capturer une image encore plus grande. Alors pour les objectifs ultra grand angle classique, les personnes sur les bords sont déformées. Alors du coup, pour prendre la photo, tout le monde contre l'un des autres pour se trouver au centre, avec la correction des distorsions, regardez les deux personnes sur les côtés. Ça avec, sans la correction de distorsion, ça avec la correction de distorsion. Regardez les deux hommes. Alors, ce qui est une bonne chose, sauf si vous voulez être plus large. Voici une photo prise avec le capteur ultra grand angle du Mi 10 Pro. Nous n'avons pas fait le compromis avec ce capteur, c'est parfait pour les panoramas. Avec un objectif de 117 degrés, capturons une quantité incroyable de couleurs, d'ombres et de détails. Vous pouvez voir ici, il n'y a pas de distorsion dans le bois, ce qui est le principal problème pour beaucoup d'objectifs ultra grand angle. Beaucoup de nos fesses ont une vie nocturne riche et colorée. Nous devons donc nous assurer que nos caméras soient efficaces dans n'importe quelle condition. Nous avons donc amélioré notre mode nuit afin que les couleurs et les détails soient capturés plus clairement que jamais dans les faibles éclairages. Découvrez cette photo au-dessus de l'Opéra de Sydney, à Bunnilong en Australie. Très peu de bruit numérique, regardez le contraste du ciel au nocturne et les détails du feu d'artifice. Quelle photo incroyable! Le contraste, et c'est une photo incroyable dans le faible éclairage. Nous avons inclus notre algorithme IA 2, ce qui signifie qu'il définit automatiquement une variété de paramètres de prise de vue pour vous. Ainsi, avec un simple clic, vous obtenez des photos éclatantes et impeccables. Pour moi, c'est une fonctionnalité très importante parce que ça donne à mes photos amateurs un aspect plus professionnel. Alors maintenant, parlons maintenant de l'amplitude du zoom. Le Mi 10 Pro dispose d'un zoom hybride 10 fois et d'un zoom numérique 50 fois. Pour vous donner une idée de l'amplitude de zoom, chacune de ces photos a été prise exactement du même point, du zoom 0,6 jusqu'au zoom numérique 50. Alors veuillez faire attention à la personne à côté de la maison que vous ne pouvez pas probablement voir à l'œil nu. Ça n'est pas cool. Le package photo est imbattable. Et comme le dit DxO Mark, le Mi 10 est le nouveau leader en matière de qualité d'image à son lancement. Comment nous l'avons fait? C'est en grande partie grâce à nos efforts en termes de R&D qui sont dédiés à améliorer la performance photographique dans le monde.
et partout au monde et bien sûr au-delà de la Terre. Alors qu'est-ce que je signifie? Non, nous n'avons pas colonisé une autre planète. En novembre, nous avons envoyé notre capteur 108 mégapixels dans l'espace dans une satellite. Alors, on l'appelle Let's Capture Our World. Alors, voyons comment ça a déroulé. Alors ici, c'est notre Terre bleu-bleu en 108 mégapixels. Les détails sont incroyables, n'est-ce pas? Regardons de plus près. C'est à couper le souffle. Alors, à ce niveau, il vous donne une perspective sur la façon dont nous sommes tous unis en une seule espèce. Zoomons davantage. Depuis un satellite dans l'espace, la série MIDIS capture la Terre avec des détails incroyables avec son appareil photo 108 mégapixels. Il nous suffit de vérifier la netteté des bords ici. Je voudrais aussi faire vous remarquer que Emikoussi, un volcan dormant au Sahara, dans le pays Tchad. Alors ici, c'est le cratère d'Orongan qui existe depuis presque 345 millions d'années. Alors, toutes les photos sont prises avec le 108 mégapixels. Ainsi, nous pouvons zoomer, utiliser le zoom même après avoir zoomé. La photo reste nette. Alors, toutes ces caméras ont surpassé toutes les attentes en termes de photographie en offrant plus de détails que jamais. Alors, ces photos sont incroyablement populaires depuis que nous les avons partagées sur nos réseaux sociaux. Nous offrons ces images de notre Terre en 108 mégapixels qui seront disponibles en fond d'écran téléchargeable pour tous les utilisateurs Xiaomi. Alors, considère-le comme notre cadeau pour vous. Alors, ici, ce sont les photos prises depuis un satellite. Imaginons ce qu'il peut faire avec entre les mains de nos fesses. Alors, le MIDIS et MIDIS Pro offrent la caméra la plus performante. Nous vous parlons des petits détails. Alors, pourquoi nous concentrons sur les petits détails? Parce que d'après moi, les petits détails nous remarquent par les différences. Il y a une fonctionnalité qui est très utile pour moi, le hardware flick sensor. Est-ce que vous avez déjà essayé de prendre une photo sur l'écran de TV ou de vos ordi? Alors, on ne peut pas les voir très clairement. Il y a des lignes sur les photos. Alors pourquoi? C'est parce que le degré de clarté entre le TV et celui de votre caméra n'est pas compatible. C'est pourquoi nous avons inclus le hardware flick sensor. Alors, c'est une photo prise sans le hardware flick sensor. Alors, qu'est-ce que le sensor fait? Il peut détecter automatiquement le degré de clarté entre la caméra et l'écran. Alors, cette photo est prise sans le sensor et celui-ci est prise avec le sensor. Ainsi, vous pouvez voir la différence magnifique. C'est très utile quand vous avez besoin de capturer les informations sur l'écran pour partager avec vos amis. C'est dispo sur le MIDIS et le MIDIS Pro. Alors maintenant, regardons sur le design. Pour résumer concernant le design, la série MIDIS offre un look et un son plus beau que jamais. Avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, double haut-parleur incroyable et des magnifiques couleurs à l'extérieur et à l'intérieur. Ainsi, vous pouvez voir l'appareil photo du MIDIS
Est-ce que vous avez entendu parler de double haut-parleur? Ils sont certifiés haute résolution, garantissant une fidélité audio incroyable. Alors, ce serait idéal pour consommer du contenu par vous-même ou avec vos amis. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'un vrai son stéréo. Le son stéréo signifie qu'il provient de plusieurs sources. Si vous écoutez de cette vidéo, le son provient de gauche jusqu'à droite. Ainsi, en offrant le son stéréo de haute résolution, ce serait utile pour les joueurs des jeux. Ainsi, vous pouvez voir de quel côté venaient vos ennemis. Ainsi, ils détectent automatiquement le côté gauche et le côté droite. Le système détecte l'orientation automatiquement et fait les ajustements pour vous. Encore une fois, les petits détails. Alors, double haut-parleur dispo seulement sur les flagships. Mais même pour les flagships, il existe des différences. Alors, pour les MIDIS, on utilise 1216 haut-parleurs. Alors, je sais que parmi vous qui regardent cette vidéo, vous pouvez faire le calcul. Je voudrais vous faire noter 12 fois 16 soit plus grand que 30 fois 10. Alors, du coup, même le plus grand de nos concurrents est plus petit que le nôtre. Et ceux du MIDIS sont symétriques. Ce qui signifie que vous obtenez une expérience audio plus équilibrée. Vous pouvez voir, les concurrents ne sont pas symétriques et le son ne sont pas aussi équilibrés que le nôtre. En fait, grâce à ça, le DXO Max, pour la troisième fois, nous a attribué la meilleure note dans ce domaine. Combiner le MIDIS Pro vous offre une expérience vidéo, audio et photographique incroyable. D'où les trois classés numéro 1 à sa sortie par DXO Max. Alors, MIDIS a des expériences similaires. En parlant des petits détails, notre caméra frontale est désormais l'un des plus petits du marché. Il existe de nombreuses façons d'appréhender la caméra avant. Mais pourquoi avons-nous choisi cette solution? Parce que l'expérience d'utilisateur est primordiale pour nos produits. Mais qu'est-ce que je veux dire par ça? Clairement, l'encoche au milieu est trop grande. Du coup, on ne va pas utiliser ce moyen. Mais comment comparer un poinçon central comme utilisé dans la série Samsung S20 à un poinçon sur le côté? Comment comparer les expériences utilisateurs des deux? Eh bien, nous avons pensé à la manière dont les gens regardent les vidéos et jouent à des jeux lorsque vous retournez votre téléphone sur le côté et le trou de la perforation disparaît derrière votre pouce. Mais avec le poinçon au milieu, comme cela, sur l'écran, vous pouvez voir que l'expérience ne va pas être si complète. Donc c'est toujours sur les détails, les petits détails. En couleur aussi, nous avons également fait de grands progrès. Le MIDIS et le MIDIS Pro offrent une reproduction et une geste de couleur classée numéro 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que des couleurs au plus proche de la réalité. Et il y a aussi une mesure pour cela qui s'appelle Delta E. Pour le simplifier, un score inférieur à 3 correspond généralement à un niveau d'entrée de gamme. Avec un score plus proche de 1, cela signifie que vous êtes plus proche des couleurs réelles. Donc MIDIS Pro vous offre un delta E de moins de 1,1. Vous pouvez le comparer avec celui de notre concurrent qui se trouve à peu près de 2,14.
Comparé aux autres flagships, nous avons un contraste 2,5 fois supérieur, une luminosité équivalente et beaucoup plus proche des couleurs réelles. Et ça, c'est très utile pour les créateurs et aussi pour les photographes. Mais c'est vraiment pour tout le monde, y compris des gens qui font des commerces, des achats sur Internet pour les vêtements et des maquillages, ou simplement pour tout le monde qui préfère les meilleures couleurs sur leur téléphone, comme moi-même. Parlant des couleurs, la gamme Midis vient avec des couleurs excellentes. Ici, c'est le Midis Pro qui vient dans un gris solstice mat et lisse. Midis Pro vient aussi dans un blanc albin mat avec des accents dorés. C'est celui que je suis en train d'utiliser. La finition mat la rend encore plus adhérente et reflète vraiment son statut de luxe. Et ça, c'est le Midis Pro. Et maintenant, Midis vient avec un verre corail. C'est super unique. Il sait se faire remarquer lorsque vous le sortez de votre poche. Ça vient aussi dans un gris de crépuscule qui peut capter de la lumière avec son extérieur. Et ça, c'est le Midis Pro et Midis dans toutes les quatre couleurs. Donc, je vais vous le démontrer sur la scène. S'il vous plaît. Ça, c'est le Midis Pro en blanc albin et gris solstice. Pour ceux qui sont à la maison, c'est le moment pour la capture d'écran. Et ça, c'est Midis en vert corail et gris de crépuscule. Donc, assurez-vous de les découvrir en personne une fois qu'il y a une opportunité. Et ça ne va pas être un flagship sans la vitesse. Midis est plus rapide, mieux connecté, plus cool et plus puissant que jamais. Une partie de la raison qu'il est si incroyable, c'est le Qualcomm Snapdragon 865. Il a aussi une architecture unique de 1+3+4, avec le cœur haute vélocité en rouge, les cœurs de vélocité moyenne en bleu et aussi les cœurs d'efficacité en bleu clair. Ça peut vous aider à utiliser la puissance d'une manière plus intelligente. Une information pour nos plus grands fans, ils utilisent la dernière architecture ARM A77, pas comme les autres jeux de bus de 5G dans le marché. En général, c'est 25% plus rapide et ça donne le soutien pour les technologies de nouveaux réseaux 5G et le Wi-Fi 6. La performance de IA a aussi été doublée depuis la précédente génération. L'efficacité énergétique a augmenté de 35%. Pour la première fois, la possibilité de mettre à jour les pilotes du GPU sur mobile. Cet incroyable chipset Qualcomm est digne de ce flagship. Et ce monstre doit être refroidi, et c'est pourquoi nous l'avons doté d'un système de refroidissement avancé. Et il y a 6 couches de graphite qui aident à dissiper la chaleur, ainsi la température de l'appareil peut être réduite de 10,5 degrés. Il est rapide, refroidi, silencieux, prêt à tout. Pour la première fois, nous proposons la technologie RAM LPDDR5 comme standard pour la série Midis. Il s'agit de la RAM la plus rapide du marché.
mais pour les utilisateurs, en moyenne, cela signifie de meilleures performances et une puissance accrue. Pour la ROM, on utilise jusqu'à 256 gigas de stockage UFS 3.0, la plus rapide du marché, et aussi une efficacité. Tout cela a valu à la série Midis Pro le meilleur score du benchmark en tout au moment du lancement, un incroyable 602 660. Pour vous donner une idée, je me souviens encore le jour quand on fait sortir Midis en 2011. Ça fait longtemps. À cette époque-là, on était très fiers d'un score de AnTuTu de moins de 10 000. Donc, à partir de 10 000 à plus de 600 000 en 9 ans seulement, c'est incroyable le chemin parcouru. Et en fait, la vitesse de l'appareil ne veut pas dire grand-chose si on est limité par la vitesse de réseau. Donc, sur 5G, on a ajouté le Wi-Fi 6 en plus pour la première fois, ce qui nous donne une vitesse maximum à peu près 3 fois plus. Ça va améliorer la performance dans une zone avec un très haut niveau de trafic, comme dans un cafétéria ou dans un bureau bondé. Cela aussi va permettre de se connecter avec plus d'appareils, ce qui va rendre votre maison mieux connectée. Mais pourquoi le Wi-Fi 6 est si spécial? On aimerait prendre un petit moment pour vous expliquer. C'est grâce à ces nouvelles technologies. Une technologie qui s'appelle l'accès multiple par division de fréquence orthogonale. C'est très compliqué, donc on va l'appeler seulement OFDMA. Pour simplifier, prenons l'image d'un camion livrant un colis avec le Wi-Fi plus ancien. Un camion ne pouvait transporter qu'un seul colis à un seul endroit. Avec Wi-Fi 6, celui-là, en-dessus, un camion peut transporter plusieurs colis à plusieurs endroits. Cela signifie plus de données transmises dans un temps plus court. Et deuxièmement, le Wi-Fi 6 va minimiser le conflit avec les collègues et aussi les voisins. Mais comment ça s'est réalisé? Et pourquoi ça c'est important? Le Wi-Fi 6 identifie automatiquement chaque appareil avec une couleur et ignore les autres. Cela veut dire que votre appareil n'a pas à perdre du temps à régler des conflits de connexion. Donc c'est plus rapide et ça peut communiquer avec plus d'appareils à la fois. Troisièmement, plus d'appareils peuvent transmettre sur un même canal. Ici, il y a un schéma pour vous expliquer. Vous l'avez vu? C'est comme conduire sur une route avec 5 voies au lieu d'une. Tout cela fait du Wi-Fi 6 la nouvelle génération de technologies sans fil et vous procurera une meilleure Wi-Fi, beaucoup plus rapide. En combinant Wi-Fi 6 avec 5G, on va faire une connexion entre les smartphones et aussi notre maison connectée d'une nouvelle façon. Et nous rapprochons une intégration transparente, par exemple l'Internet superbe de IoT. Dans cet esprit, on va lancer le Mi IoT Router AX3600, notre premier routeur Wi-Fi 6 qui sera disponible prochainement. C'est le routeur parfait pour l'IoT avec une antenne qui se trouve au milieu et aussi une puce de IoT dédiée qui permet la détection automatique d'appareils IoT. Il est aussi configurable en un seul clic et il prend en charge jusqu'à 248 appareils contre 64 en moyenne pour les modèles concurrents. Ça va être disponible dès 119 €, le rendant un produit magnifique avec seulement un prix honnête. Pour vous donner une idée, les autres routeurs Wi-Fi 6 coûtent 3 fois plus que cela en moyenne. Pour ceux qui préfèrent un prix encore mieux, mais qui ne sont pas encore prêts pour Wi-Fi 6, on va aussi vous offrir une variante similaire de Wi-Fi 5. C'est aussi un produit magnifique
avec un prix de 49,99 euros. Pour les 2 mois derniers, je suis en train de travailler à la maison. Je pense que j'ai déjà participé dans peut-être le plus grande expérimentation de télétravail dans le monde jusqu'à présent. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de nos amis qui sont en train de nous regarder font face à la même circonstance. Donc j'aimerais vous partager ma propre expérience. Ce qui est critique pour moi pendant cette période de télétravail, c'est d'avoir assez d'autonomie de durer 8 à 10 heures d'appels de travail tous les jours. Mais aucune batterie n'est éternelle. La série Midis offre de temps de charge très rapide. Le Midis Pro propose un incroyable charge rapide filaire de 50 watts. Merci. C'est l'un des standards de charge les plus rapides. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut charger entièrement votre appareil en seulement 45 minutes. 45 minutes à partir de 0 à 100%. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous pouvez le recharger 100% avec un temps d'un mi-temps d'un match de foule. Et le Midis propose lui-même une charge rapide filaire de 30 watts. Après, on va aussi faire une comparaison entre celui-là et les autres concurrents. Mais celui-là, chez nous, est beaucoup plus rapide que la plupart des flagships aujourd'hui dans le marché. Pour ceux qui préfèrent la charge sans fil, qui est un scénario assez utile pour le télétravail, le Midis et le Midis Pro, 30 watts de recharge sans fil. C'est un très grand bas en avant, non seulement pour nous, mais aussi pour l'industrie dans son ensemble. Qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? À partir de 0% à 100% de batterie, la recharge va être complétée en 65 minutes. Cela veut dire que vous pouvez le recharger pleinement pendant une pause de déjeuner ou entre les deux appels de télétravail. Et bien sûr, nous avons aussi un esprit de partage avec les amis. C'est pourquoi nous avons cette fonction de recharge sans fil inversée. Vous pouvez l'utiliser pour recharger les accessoires compatibles comme les écouteurs, le souris et même le smartphone de votre ami. Ajoutez à cela une batterie allant de 4500 mAh à 4680 mAh et vous obtenez le flagship idéal pour travailler à la maison. Pas comme nos concurrents, on n'a jamais fait de compromis avec le bloc de recharge à la boîte. Nous avons inclus un bloc de recharge de 65 watts inclus à la boîte, ce qui peut être utilisé pour recharger non seulement votre portable, mais aussi votre ordi, votre Midis et votre console de jeu. Vous pouvez voir que tous les deux, Midis et Midis Pro, offrent meilleure recharge filaire, meilleure recharge sans fil, meilleur bloc de recharge à la boîte en comparaison avec les concurrents. Quand on regarde les smartphones de concurrents, les Midis et les Midis Pro peuvent les convaincre par une très large marge. Il n'y a pas de compromis chez nous. Ça, c'est à l'intérieur de l'un des meilleurs flagships dans le marché aujourd'hui. La meilleure expérience pour la vidéo, la caméra et aussi l'audio. Puisque on a là-dedans Snapdragon 865 et le Wi-Fi 6 et la connectivité de 5G. La plus rapide charge sans fil, charge filaire et aussi bloc de recharge à la boîte à 65 watts pour vous donner le meilleur flagship qui permet un télétravail. Mais ce n'est pas tout. Il y a toujours plus de détails pour vous étonner avec les produits de Xiaomi. Et surtout dans cette série de Midis, un exemple, ce que j'aime beaucoup. Puisqu'on a le X-axe linéaire, le moteur de vibration, quand vous êtes en train d'écrire des longs emails et des messages, il y a un feedback haptique fascinant. On a tout fait pour vous donner une meilleure expérience tout en tapant les mots et aussi en jouant des jeux. C'est la meilleure expérience jamais pour
écrire des choses sur votre écran de téléphone. Pour conclure, on va regarder un morceau de vidéo pour voir ce que c'est la gamme MIDIS. Le MIDIS Pro a accompli le triple numéro 1 par DxO Mag, le numéro 1 en vidéo, en caméra et en audio. C'est un grand accomplissement pour nous et ce que nous avons recherché durant ces dernières années. Mais nous ne nous arrêtons pas là, nous nous engageons à améliorer nos produits pour vous, pour nos utilisateurs. Dernièrement, on va parler de la vente et de la disponibilité. On va jeter un coup d'œil sur la comparaison, tous les deux, côte à côte. Pour le MIDIS et MIDIS Pro, tous les deux possèdent caméras 408 avec des capteurs identiques préliminaires. Pour le MIDIS Pro, il y a aussi une optimisation avec un capteur téléobjectif, mais tous les deux vous offrent des expériences magnifiques pour la photographie et aussi pour la vidéo. MIDIS Pro peut aussi offrir une meilleure capacité de charge, mais pour MIDIS, il y a une meilleure capacité de batterie. Je peux vous expliquer, puisque quand on est en train d'élever la vitesse de recharge, c'est obligé pour nous de réduire un peu la dimension de notre batterie. Et pour notre ingénieur, nous avons déjà réglé ça tout en menant un niveau de plus de 4500 mAh. On va faire une comparaison avec les autres concurrents sur le marché, avec les autres flagships. Ce que nous avons fait est de cocher où nous sommes similaires ou meilleurs en termes de spécifications. Vous pouvez voir ici, avec le MIDIS et le MIDIS Pro, on a égalisé ou même battu nos concurrents avec un prix de plus de 1 400 €, tel que la charge, la caméra ou même pour le bloc de recharge à la boîte. En considérant tout ça, nos prix a commencé dès 799 € pour MIDIS et 999 € pour MIDIS Pro. Ça va être le meilleur prix que vous pouvez découvrir sur le marché avec le même niveau de paramètres. C'est notre objectif de rendre MIDIS accessible possible. Avec l'assistance de notre partenaire, on va offrir la série de MIDIS par plus de canaux. En Espagne, tous les deux appareils seront précommandés à partir du 1er avril. Et la vente commencera le 15 dans une variété de partenaires commerciaux. Et la précommande recevra un bonus, un cadeau de 100 €. Et incluant le Mitchell Wireless Earphones 2, le plus récent. C'est pour l'Italie aussi avec des bonus magnifiques pour les précommandes. Du coup, faites attention à la date. This is our friends. France, et aussi again, avec les bonus, des cadeaux. Pour les préventes en Allemagne, le bonus de précommande inclut une téléviseur et aussi les médailles bagages de mon favori. Et finalement, pour la région de Benelux, on va parler d'ajouter les informations
sur les disponibilités dans cette région. Alors ici, je voudrais faire une promesse. On va faire de nos mieux pour respecter ces dates, même dans les circonstances difficiles. Mais en considérant les difficultés, je voudrais aussi avoir votre compréhension. Alors finalement, il ne faut comparer le MIDIS et le MIDIS Pro avec les concurrents. Non seulement nous offrons le meilleur prix possible, mais aussi les meilleures fonctionnalités. Par exemple, la caméra, le processeur, le chargeur, et aussi le double speaker. C'est aussi un flagship, le meilleur pour le travail à domicile. Alors maintenant, pour la gamme MIDIS, avec le 4 caméras de 108 mégapixels, et aussi le bus de Qualcomm Snapdragon 865 de 5G, qui vous permet d'avoir une expérience à domicile la meilleure. Avec l'une des vitesses de recharge les plus rapides et le double haut-parleur les mieux notés. Est-ce que vous êtes aussi excité comme moi? Alors l'année 2020 sera une année de 5G pour tout le monde. Comme j'ai déjà dit, nous allons lancer 3 nouveaux smartphones aujourd'hui de 5G. Et le troisième, ce sera le MIDIS Lite 5G. Notre objectif est de faire de ce smartphone le 5G accessible possible. Le MIDIS Lite 5G a été conçu pour vous aider à créer, à partager, à profiter de votre vie. Avec un esprit de créateur, il inclut des fonctionnalités comme Pro Mode, Shoot Steady et le AI Dynamic Skyscraping qui vous permet d'avoir des filtres uniques en arrière de vos vidéos qui sera parfait pour les posts des réseaux sociaux. Ce sera dispo en 3 couleurs, blanc, gris et vert. Alors pourquoi l'appelle le Light, c'est parce qu'il est vraiment léger, avec un poids de 192 grammes. Il est parfait pour un mode de vie nomade. Il est équipé avec un Qualcomm quasi flagship Snapdragon 665G, qui nous offre une rapidité et une connectivité de 5G. Avec un grand processeur, il est aussi équipé avec une empreinte Gavardeur à 4 caméras de 45 MW et une batterie de haute capacité. Alors aujourd'hui, ce que nous avons racheté, le MIDIS Lite 5G, commencera à partir de 1000 euros. Avec le support de 5G, la démonstration plus large, le mégapixel meilleur et un capteur performant. Mais comme on a déjà mentionné, l'objectif de cet appareil est de rendre le 5G plus accessible. Du coup, il faut nous proposer un prix accessible, n'est-ce pas? Le MIDIS Lite 5G commencera à 349 euros. Il sera dispo à partir de mai. Avec une performance similaire, mais avec un prix meilleur. Alors, mesdames et messieurs, c'est le MIDIS Lite 5G. Mais bien sûr, les appareils ne sont pas les mêmes avec notre MIDIS ou MIDIS Pro. Mais il offre quand même des fonctionnalités impressionnantes, comme la connectivité de 5G. Qualcomm Snapdragon 765G, une nouvelle référence pour les smartphones 5G quasi flagship en 2020. Restez en ligne pour plus de détails. Nous avons parlé beaucoup des smartphones aujourd'hui, mais comme vous le savez, le IoT et les smartphones nous serons différents. Pour ceux qui ne le savez pas, nous sommes l'un des plateformes les plus grandes des consommateurs. Avec plus de 213 millions d'objets connectés en plus de smartphones. À l'ère de 5G, l'interconnectivité des téléphones et des objets connectés sera plus forte que jamais. Pour vous aider à prendre davantage de cette évolution, nous allons vous offrir quelque chose de grand. Oui, la MIDIS
DV4S 65 pouces. Regardons-la un peu de détail. Avec une conception en métal haut de gamme, elle est à la fois élégante et résistante comme vous. Une fabrication esthétique et fonctionnelle, avec des pieds en métal pour la tenir droite. Elle est installée sur n'importe mur. J'espère que c'est chez moi. Mais le plus important, la qualité d'image, n'est-ce pas? La Mi TV est compatible 4K et propose le HDR 10 fois, qui combine détail, dynamisme et image vive. Visuellement, la Mi TV 4S 65 pouces est incroyable. Et du point de vue de l'audio, elle est équipée d'un double haut-parleur Dolby DS HD. Elle régale à la fois vos yeux et vos oreilles. La Mi TV 4S vous donne accès à des plateformes partenaires, le contenu ne sera pas un problème. Comme par exemple le Google Play Store, ouvrez télécharger ce dont vous aurez besoin pour une expérience complète. Pour une meilleure accessibilité, la télécommande inclut un bouton de commande vocale, ce qui est d'ailleurs l'une de mes fonctionnalités favorites. Une fois que vous avez essayé la recherche vocale, vous n'utiliserez jamais plus la télécommande. C'était une expérience terrible. C'est aussi équipé le Google Chromecast. Ainsi, vous pouvez diffuser ou dupliquer l'écran de votre Mi 10 facilement. En termes de niveau de connectivité, la Mi TV 4S comporte 3 ports HDMI et 3 ports USB. Elle est bien sûr un port Ethernet et prend en charge le Wi-Fi. C'est un produit exceptionnel. J'en utilise une chez moi, elle est idéale en famille et durant les périodes de distanciel social. Parlons du prix. Elle sera dispo à partir de simplement 549 €. C'est un prix incroyable. À partir de juin et exclusivement dans les Mi Stores. Restez connectés. Alors, nous avons aussi un autre produit fascinant pour vous. Avec le printemps là, certains d'entre vous souffrent de l'allergie ou du pollen dans l'air. Pour y faire face, nous présentons le Mi Air Purifier 3H. Cet appareil est équipé d'un filtre HEPA inclus qui élimine 99,97% des particules et poussières nocives. C'est très efficace. Il purifie 45 mètres carrés en seulement 17 minutes. Les utilisateurs peuvent ajuster les paramètres en touchant simplement l'écran smart OLED. C'est très pratique. Et bien sûr, si vous jetez un coup d'œil au prix des concurrents, vous constatez que les produits similaires avoisinent de 300 jusqu'à 350 €. Mais avec le Mi Air Purifier 3H, il sera disponible à seulement 179 €. Un produit magnifique à un prix honnête. Il semble clair que, aussi bien du point de vue technologique et que celui du prix, un modèle à l'avantage, une plus grande ouverture de surface, un affiche OLED et en plus de puissance à usage et bien sûr un prix compétitif. Alors, si vous souhaitez acheter un premier purificateur d'air ou renouveler votre appareil actuel, c'est celui qu'il vous faut. Alors, ce sera dispo très prochainement. Avec tous ces produits, on pourrait vous demander comment rendre votre maison plus intelligente. Alors, nous avons la solution parfaite pour vous. Un ensemble de 3 produits intelligents que nous avons lancés aujourd'hui.
le Mi Air Purifier 3H, le Mi DV 4S, et aussi le Mi IoT Router. Nous allons inclure aussi une ampoule connectée que vous pouvez contrôler directement depuis votre smartphone. Avec un prix seulement pour ce bundle de 699 €. Et ça, c'est une expérience géniale pour vous. Et encore une chose, c'est d'avoir une expérience d'écoute plus intelligente avec les écouteurs de sans fil de Mitchu. Nous avons aussi optimisé le design de notre écouteur sans fil et aussi avec un prix assez honnête qui commence par 79 €. Donc ce sont les trois smartphones de 5G qu'on lance aujourd'hui, le Mi 10 et le Mi 10 Pro, avec la meilleure expérience de vidéo, le caméra leader, la charge. C'est le meilleur smartphone pour le télétravail et aussi le Mi 10 Lite 5G qui rend 5G plus accessible. Et en plus, on a aussi lancé les 5 produits fascinants pour l'IoT. Le Mi purificateur d'air 3H, deux routeurs pour IoT et aussi les écouteurs sans fil Mi True 2 et aussi Mi Tele 4S. Les 8 produits fantastiques avec 8 prix honnêtes qui va vous permettre d'avoir un accès à une vie meilleure grâce à la technologie. Donc, ça, c'est la fin de notre présentation aujourd'hui. Mais restez avec nous sur la ligne et vous pouvez aussi regarder une vidéo de déballage unboxing fait par mon ami, Monsieur Jonathan Morrison. C'est l'un des meilleurs experts de technologie dans le monde. Merci pour votre attention. À la prochaine. Merci beaucoup. Mais pourquoi vous êtes en train de filmer cela? On va faire le unboxing avec Jonathan Morrison. Yo guys, Jonathan here. Got some quick impressions on the brand new Mi 10 and Mi 10 Pro from Xiaomi. They both share a lot of similarities, but they're also jam-packed full of features. For starters, both are really pretty looking phones. I'm not sure which color I like the most, but either way, they both look really good. They both feature a Snapdragon 865 with some advanced cooling to take advantage of all that power. They're both 5G ready. They both share a near 6.7-inch beautiful 90Hz curved AMOLED display, which translates to a super fluid, smooth experience. And potentially, the craziest feature on both these phones is the 108-megapixel quad camera that shoots up to 8K video. Now, the camera configuration on the Mi 10 and Mi 10 Pro are slightly different. The Mi 10 has a dedicated macro lens for those close-up shots, whereas the Mi 10 Pro has two different telephoto lenses at different focal lengths, so you have a series of different options. In terms of battery life, both pack massive batteries inside, so you have no problem getting through a full day. The Mi 10 has a slightly larger battery, whereas the Mi 10 Pro has faster wired charging. Specifically, the Mi 10 Pro can charge at up to 50 watts wired, which is kind of crazy. The Mi 10, on the other hand, can charge up to 30 watts, and then both feature 30-watt wireless charging. They both also feature really great sounding stereo speakers, which I think kind of complements the overall experience of the display, which is HDR10 certified. The Mi 10 Pro will actually go up to a peak brightness of 1200 nits, which is crazy bright. So you're getting a really overall great media experience. So yeah, power, check, screen, check, audio, check. The Mi 10 and Mi 10 Pro pack pretty much every feature inside there. If you want to learn more, I'm about to hop on a call with their president of international, Xiao Li Chu, so make sure to check that out. So let's go. Hi, Jonathan, how are you? I'm solid, how about you? I'm good, thank you. I hope you're staying safe in these very extraordinary times. Yeah, the world is definitely crazy right now, but we're staying safe, we're staying inside. Hopefully you are as well. Thank you. Jonathan, look, I know you know you are a big fan of videos and photos, and you have been using our Mi 10 Pro, which is a great camera and video phone for a while now. So which feature are you most impressed by? Yeah, so I realize we're supposed to be inside right now, but before things got as crazy as they are, I was having a lot of fun with Night Mode 2.0, especially because that works with the ultra-wide angle lens, and I think those two things together give you some really cool results.
I would also say vlog mode, just how easy it is to chop something together, especially right now. I think as resources are limited, if you're looking to shoot video, the easier it is to do that on your phone, I think the better. Sure. And then from there, just being someone who loves tech and video, I think it's hard not to be excited at 8K video recording on a smartphone. I know a lot of people are probably gonna say that's overkill, but for me, it's more about the flexibility and what you can do with that in post. We kind of saw that with 4K, where if you worked in a 1080p project, you had the ability to reframe, almost have two different camera angles with one phone. So with that, it kind of gives us that flexibility, but in a 4K project. And on top of that, you also have the ability to potentially extract a still from a video, which is awesome. So the video features are packed, huge thumbs up there. I do have one question for you though. I think a lot of people also would like to know, and that's why is the price on the Mi 10 Pro higher than it usually is for a Xiaomi smartphone? Well, Jonathan, I think it's a great question. As you know, the mission of our company is to deliver amazing products at honest prices so that everybody in the world can enjoy technology. And we are not going to deviate from this mission. Now, the Mi 10 series is our flagship, 10th anniversary flagship. And this is truly a device that has all the premium features that you can imagine in a flagship phone. Now, we think pricing is a relative concept. For sure. It still has the best relative price point compared with any other flagships that's comparable to ours. So we are not deviating from our mission. It's just that because this is such a premium phone, which honestly just costs more to build, it is relatively, compared to our other devices, higher. But compared to everybody else in the market, we still have the best price for the value that you're getting. Yeah, that definitely kind of makes sense, just packing this thing full of features, having it be the top tier option. With that though, I've seen this question come up everywhere, and that's, will this be available in my region? Jonathan, look, we have the supply ready. We are ready to launch. After this launch event, we're ready to move them into the stores and the websites so that our consumers around the world, in Europe and elsewhere, can buy them very, very soon. Now, because of the special circumstances we're in, we may be slightly delayed, but the intention is to get it to you very, very, very soon. That is definitely awesome to hear. Not to go too deep into this question, but with the Mi 10 Pro being the flagship highest end option that's supposed to have every single feature, I've noticed that it does not have a headphone jack. And I think fans can tend to be curious on what goes into the decision making with the smartphone, the battery, the screen, the headphone jack. So maybe you could elaborate on that process. Okay, well, that's a great question, Jonathan. Regarding specifically on the headphone jack, when we're designing a flagship phone, the thinking behind this is that this has to be the ultimate user experience. From camera, to audio, to video, to wireless charging technology, and all the great things that we talked about in the launch event. You know, we need to make sure this is the ultimate experience. Now, in order to make sure that we have all these and still keep the phone relatively thin so that you have a good hand feel, we had to look at all the other features that we, you know, are they 100% necessary? And if we remove them, what kind of compromise we're making? Now, for the headphone jack itself, first, we know that Bluetooth wireless technology is already very well accepted by a lot of our users. In fact, we launched our second version of our TWS earphones today as well. The second is you can still use your Type-C jack to plug in a very simple converter, and your wired earphones will work with the Type-C jack as well. The third is you can still use that Type-C jack and use wireless charging and charge a phone at the same time. So we think that, you know, from a user experience point of view, this is something that we can remove and overall improve the entire experience of the phone, including the hand feel. Now, of course, there are many small details of the phone. You know, we shared a lot of this during the launch event. For those who are interested, for example, we still kept the infrared. And there are many other cool features that we hope that you use and discover for yourself as well. Definitely appreciate your insight on that, and kind of touching on some of those higher high-end features, the 108 megapixel camera, 8K video recording. I know, again, like we've talked about, some people may say that it's overkill, but what's your take on that? Well, we believe in always making sure that, you know, we are pushing the limits of what technology can do. The user experience that you're going to get out of the 108 megapixel camera is going to be amazing. I've been using it for a while now, and the clarity and detail you can get out of that camera when taking stills is amazing. You can take a photo of your favorite scenery and then make it into a very big poster, and you know, even when it's blown up to that kind of scale, it still keeps all the detail and clarity. I think, you know, as our users, as this technology becomes more
available to our users. Now, they will discover that some of these features are actually very useful in day-to-day life as well. So, you know, we believe in making sure that good technology is available for everyone. And I think the 108 megapixel camera is a very good example of that. I definitely have to agree with you on most points there. One more question for you before we wrap this up. I think most of us out there know, especially anyone into tech knows, the smartphone industry is crazy competitive right now. So maybe you can give us some insight on what Xiaomi does to kind of separate themselves from the rest. I think at the heart of it, you know, we want to always be friends with our users. So we listen very closely to our users. And, you know, we call them friends. We want to be friends with our users. And I think this is something that's very deeply embedded in our DNA across the way we develop MIUI, the way we develop our product portfolio, you know, the way we communicate with our fans. Now, the other very key differentiator is, you know, we have a very specific and clear mission, which is to deliver amazing products at honest prices so that everybody in the world can enjoy technology. You know, there is a mission behind this. It is not just, you know, trying to sell and do business. It is really about making sure that these amazing products are priced honestly so that everybody can actually get access to them. And the third thing, of course, is, you know, we're not just a smartphone company. We are a smartphone and AIoT dual engine company. So as you use more of our Xiaomi devices, you know, be it our phones, our televisions, our routers, our air purifiers, our scooters, you know, and connect them to this IoT platform, we are building on interconnectivity use cases that have not existed before, but allows you to interact with this Internet of Things in a much more seamless way. So I think when you combine these three things together, Xiaomi is truly different from anybody else in the market. Awesome. Thank you so much, man, for taking the time to chat with me, with the audience. Really appreciate it. And for those of you guys out there watching right now, hopefully you guys had some fun. Definitely make sure to check out Xiaomi, and I will catch you guys later. Well, thank you very much for watching the launch event today. Thank you for your time, and have a good day. Bye-bye. Have you ever had one of those weekends that feels like it was just a dream? A weekend that feels almost hard to believe. A weekend so grand, it feels like forever. Leaving yourself with only beautiful moments and memories. Leaving yourself wishing you were still there. There's nothing holding you back from getting the most out of your weekend. So here's to weekends like this one, to the fleeting moments that stay with us forever, to the beautiful escapes from reality.
I want to congratulate Lei Jun and the entire Xiaomi team today. Xiaomi is one of our most important partners, and we have a long history of collaboration, from the very first device to today's launch of the Mi 10 series. These incredible devices will help drive the continued success of 5G in China and around the world, and they will be powered by the Snapdragon 865 mobile platform. Engineers from both companies have been working for months in the Xiaomi Qualcomm Joint 5G Lab to create the best possible experience for Xiaomi users. Snapdragon 865 brings the best of 5G and AI together. Our leading fifth generation AI engine is 2 times more powerful than our previous platform and delivers breakthrough features like on-device translation. And the platform powers the highest quality gigapixel speed camera and desktop level gaming features for the 5G era, with leading peak and sustained performance with days of use leadership in the industry. All of that with multi-gigabit 5G connectivity, 3 times faster than the competition. It is the only truly global solution with dynamic spectrum sharing for superior 5G coverage and power efficiency. Nothing else comes close. Best wishes to the team at Xiaomi, Mi fans, and everyone in China. And we stand with you, our employees, along with our other friends in China during this challenging time. Stay strong. Exploration is more than just discovering. It's about expanding. Expanding out to explore new possibilities. Each step providing you with a wider horizon. In 2019, Xiaomi launched a satellite equipped with its latest imaging technology. Expanding our imagination for how we view this world. Captured with our 108 megapixel camera, how clear can it be? Every Mi 10 user will have the same answer. Our world has never felt so real. In 2020, Xiaomi technology will serve over 100 million users worldwide. We aim to reshape everyone's perception of technology. Let your imagination come alive. Thank you.
Have you ever had one of those weekends that feels like it was just a dream? A weekend that feels almost hard to believe. A weekend so grand, it feels like forever. Leaving yourself with only beautiful moments and memories. Leaving yourself wishing you were still there. There's nothing holding you back from getting the most out of your weekend. So here's to weekends like this one, to the fleeting moments that stay with us forever, to the beautiful escapes from reality.